4 ans après leur évacuation musclée de l'église Saint Bernard à Paris, les sans-papiers réclament toujours la régularisation de leur situation. Répondant à l'appel de la Coordination nationale des sans-papiers et de nombreuses organisations politiques, 550 personnes ont une nouvelle fois défilé dans les rues de Paris. Jean Assouli. Il fut l'un des porte-parole des sans-papiers de l'église Saint-Bernard. Pour Hamady Camara, 4 ans après l'évacuation le 23 août 1996, leur situation reste inchangée. À l'appel de la Coordination nationale des sans-papiers, une trentaine d'organisations politiques et syndicales réclament des papiers pour les sans-papiers, l'abrogation des lois Pasqua-Debré et l'abolition des doubles peines. Jusqu'à présent, on se bat, même si ça dure jusqu'à 10 ans, on est là, on se battrait jusqu'à la régularisation de tous les sans-papiers. Cette année, l'association n'a obtenu que 7 régularisations. Elle demande au gouvernement une politique d'immigration plus souple et l'arrêt des expulsions, au moment où la France prend la présidence de l'Union européenne. L'ensemble des pays européens, comme Italie, Espagne, ils ont tous régularisé leurs sans-papiers. Nous ne voyons pas comment la France n'arrive pas à prendre une décision jusqu'à présent, surtout les gouvernements suspens, jusqu'à présent une régularisation globale de tous les sans-papiers. La coordination appelle à un rassemblement le 23 août prochain devant l'église Saint-Bernard.